beau, hein? Vous la sentez la faim qui monte? Vous inquiétez pas, c'est pas sale. C'est normal d'avoir du désir. C'est juste dame nature qui s'exprime. Oui, le fromage est une des plus belles choses de la création. Et c'est pour ça qu'on va vous donner aujourd'hui les 5 raisons de se nourrir exclusivement de fromage. Numéro 1, vous ne vous lasserez pas. Dit comme ça, bouffer que du fromage, ça paraît compliqué. Mais le fromage est un monde vaste et merveilleux. Rien qu'en France, on a plus de 1600 sortes. 1600, mon pote. Alors prends ta casquette, ta poké fromage et va tous les capturer. Allez, va, va, mon pote. Numéro 2, c'est la meilleure façon d'être patriote. Si vous voulez supporter la France et faire augmenter son PIB, rien de tel que de bouffer du fromton bien de chez nous. Alors bien sûr, le fromage, c'est comme le foot, il y a les Hollandais et les Italiens qui se défendent. Mais contrairement au foot, en vrai, on les défonce. On est la France, après tout. La France ? Numéro 3, ça va bien avec tout. La viande, la salade, la soupe, les pâtes, et puis surtout le pain. Tout va bien avec le fromage. À croire que la gastronomie, c'est surtout un truc qu'on a inventé pour savoir ce qu'on allait mettre à côté du fromage pour pas trop passer pour des gorées. Mais nous, on n'a pas honte. On est des gorées. Et on l'assume. Numéro 4, ça ne pourrit pas. Un truc déjà pourri ne peut pas plus pourrir. Enfin si, mais du coup c'est encore meilleur. La légende dit que les vrais fromages hardcore sont tellement infestés de petites bêtes qui bougent tout seuls. Et c'est là que c'est bon. Numéro 5, c'est bon pour la santé. C'est plein de calcium, de vitamine D et de vitamines que personne ne connaît comme la vitamine B12 et K2. Si votre fromage est naturel, il est plein de bonnes choses pour vous. Et puis rappelez-vous que... Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est vrai, pour toute la vie ? Voilà, on espère qu'on t'a convaincu, nous on va aller se faire une bonne tartoche. Si t'aimes pas le fromage parce que ça te fait péter, on te prie de pas le mettre dans les commentaires parce qu'on s'en beurre totalement les noix. Par contre, si t'es normal et que t'adores ça, on aimerait bien savoir ton préféré parce qu'on aime bien connaître nos fans. Et après, on revend toutes vos informations à quoi.